Je m'appelle Charles Courdon et je suis le directeur de l'Alliance française de l'Écosse. Depuis combien de temps ? Depuis 1 an et 2 mois. Quelle est votre expérience ? Avant de venir à l'Écosse, j'étais en poste à Johannesburg en Afrique du Sud, en Éthiopie, en Écosse et au Vietnam, et bien sûr en France. D'accord. Et l'expérience à Lagos, ici ? C'est une expérience très intéressante parce que nous avons ce nouveau projet pour un nouveau siège à Ikoyi. Et évidemment, il faut mobiliser toutes les équipes pour que ce soit un grand succès. Quel niveau améliorer ? On va tout améliorer. Il faut tout améliorer, la communication surtout, l'esprit d'équipe qui est déjà très bon, mais on va encore améliorer. Et puis, on va améliorer le nombre d'étudiants, le nombre d'activités culturelles. Grâce au nouveau lieu à Ikoyi, on va tout améliorer. D'accord. Que pensez-vous de la nouvelle alliance ? C'est un fairy tale, un conte de fées, comme on dit en français. On a beaucoup de chance parce que ça sera un outil ouvert à tous, pour l'art et pour la culture, mais aussi pour l'enseignement des langues françaises et les langues nigériennes. Donc on a beaucoup de chance, ça sera sans doute un des plus beaux centres culturels du monde. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Charles. Merci Samuel. Thank you.